Salut tout le monde, c'est Mame la pourriture. Mame la zizou, je veux dire. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode, je sais pas combien, donc la suite de Mario et la sphère de Toad 2. Allez, c'est parti. Ancien ruine. D'ailleurs, dans le layout, vous pouvez voir en haut à droite, il y a une sphère avec écrit 2 à l'intérieur. C'est pas le numéro d'épisode, mais le chiffre du jeu. C'est le Mario et Luigi, Mario et la sphère de Toad 2. Voilà. Allez, c'est parti. Ancienne ruine. C'est une sortie secrète. Donc, c'est parti pour rager. Eh oui. Avec ces sorties de merde d'Aurel, là. Ces putains de sorties qui servent à rien. Et on va le buter. Allez, viens, approche. Dernier coup. C'est fini pour toi. Bon, alors, c'est quoi ces blocs, là? Moi, je dis cut-off. Ah ouais. Tu dis cut-off dans les autres hacks, mais moi aussi, je dis cut-off dans ton hack, mec. Sale cut-off, va. Bientôt, Aurel, ça une insulte qui dira aux gens, ça sera cut-off. Toi, tu vois, t'es un cut-off, mec. Toi, t'es un cut-off. Ok, bon, comme eux, ça charge sur moi. Le niveau est un peu mal fait. Il est un peu fait en vrac. WTF. Je vous rappelle, c'est juste pour regarder le hack d'Aurel, comment il est. Hein. C'est juste pas pour reprendre du plaisir et jouer. C'est un danger plus vite. Il veut pas me mettre des champignons. Bon. Ok, il me donne un checkpoint. D'accord, les topi-tops sont là pour nous faire chier. Putain, est-ce qu'ils arriveront à sauter? Non. Déjà plus tôt. Faut se calmer. D'accord, on a vu la sortie secrète au moins. Au moins c'est réglé. Maintenant, on va essayer de prendre la fin, normal. Ce serait déjà une bonne chose. Putain. Allez, il me reste plus beaucoup de temps. Putain! D'accord. On se calme. Au KLM. Ok, l'esquive, on gère. Putain, mais tous ces sprays qu'il met, c'est horrible. Putain, il faut qu'on réussisse à le toucher. Putain! 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 Ok, on y va calmement. On doit y aller très calmement. On a le temps, puisqu'on a touché le checkpoint. Ok, bon, c'est lui qui me cause plutôt problème. Oh, c'est bon. En fait, c'était easy, tout compris. Bon, on va essayer de faire la sortie secrète, donc. Allez, on y va. La sortie secrète a été foutue en plein milieu, je me rappelle. Où es-tu, sortie secrète? Ah, elle est là. Ok, easy, la sortie secrète. Bon, maintenant, il faut finir le niveau. Ah, la switch. On va sauvegarder, ok. On y va. Non, alors, qu'est-ce que c'est que ce switch? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On essaie de récupérer le plus de pièces possible, hein. On y va. Un peu bizarre, c'est le switch jaune, mais le contour il est bleu. Normal. Du ouais. Ok. Bon. Je t'explose la face, moi. Allez, on va essayer de faire le niveau normalement. On reprend du switch? Non, bien sûr que non. J'ai fini le niveau, donc non. Quelconque chou. Au final, il veut pas nous mettre de champignons, c'est fou ça. Quand c'est un radin. C'est vrai que dans ce hack, il est vraiment radin, Aurel. Hein. Radin pour.
On continue notre route. Tac, tac, ok. Ok, on gère pour l'instant. Ok, bon, cette merde, elle va pas me saouler. C'est fini. Moins de 5 secondes, c'est fini. C'est pareil pour toi, hein. Comment il en faut pour tout le monde. J'étais mort un moment. À cause de plusieurs coupas qu'ils étaient venus sur moi. Ok. C'était eux. Ah, c'est bon. On y est. Ta-na-na-na-na-na. La 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 la. La la. Merci. Désolé de taper sur le micro. Juste me gratter un peu le front. Pip off de désert. Sortie secrète ou pas? J'ai même pas fait gaffe. Allez, il nous fout la musique de Mario Land. En mode remix, attention. Ah, mais je l'avais pas vu. Il a la couleur du sol. Du soleil, j'allais dire. Il a la couleur du sol. Putain, il a esquivé le gars. Il veut vraiment que je meure. Ah, il veut que je la perde ma vie, non? Ah putain. D'accord, lui il passe dans le feu, il sent rien et moi genre je crève. Normal. Putain. En même temps, vu tous ces lags, comment vous voulez que je fasse? Injouable avec ces lags. Ok, on y va. Elle est en cours. Allez, tombe-toi. Enfin, les lags sont partis. Mais toi, t'es sérieux? Je voulais prendre une petite réserve et tu m'as fait perdre. Merci. T'es un super pote. Prends ça. Tac. Bon, on y va. Un champignon, s'il vous plaît. Oh, mais merci. Ils me mettent une belle fleur. Ah, putain, c'est du dur. J'y ai pas fait gaffe. D'accord, là, il faut courir, en fait. Même pas. It's impossible. Noco jump, c'est ça? Tu nous as pris pour des orelles pour faire des noco jump? Sadique. On peut descendre là? Faut mieux vérifier. Oui, on peut descendre. D'accord, j'ai raté ma vie. Tiens, comment vous voulez que je fasse là? Attendez, il va le faire bugger. Mais putain! Regardez ce qu'on va les faire. Et voilà. On a le passage de libérer. Hop là, un arbre. Ah, enfin c'est la fin. Enfin c'est la fin. Alors, qu'est-ce que c'est le prochain niveau? Là, je pense pas qu'il y avait de sortie secrète, hein, parce que je sais pas où elle pourrait être. Ouais, il y en avait pas. Désert plein 2. Donc, c'est la suite de quel niveau? 2. What? Il y a un problème. Désert plein 2. Est-ce qu'il y a un désert plein 1 ici? Est-ce qu'il y a un désert plein 1?
Non, il y a The Lost Desert, mais pas Desert Plains. Bon, on va faire attention. Nous allons pas faire attention. Oh, tiens bien. Vous avez rien vu. Alors, Desert Plains 2. Oh, joli. Vas-y, saute-toi. On dirait que c'est Aurel... Non, on dirait que c'est Drake qui a fait ce... Ce niveau. C'est du Drake craché. Il est vomi, c'est du Drake vomi, ça. Bon. Faudra que je demande à Aurel si c'est lui qui l'a fait. Ah, un bon champignon caché. Parce que le niveau a l'air trop bien fait face aux autres. Oh, Clochard, va, je récupère un champignon pour que tu me l'enlèves. Putain. Ouf. Faut bien que je regarde le sol. C'est Clochard de Topi Top, il sort de partout. Ok, on y va. Là, j'ai peur. Bon, on va faire comme ça. Il y a quoi en haut? Rien. Ok. Ok, ça, on va le prendre. Obligatoirement. Dégage. Oh, putain. Est-ce que je peux passer? Ok, un champignon, ça je le récupère à coup sûr. Il veut pas me laisser passer. Hein. Tac. Bon, il commence vraiment à me saouler ce niveau. Il est trop long. J'aime pas les niveaux trop longs. Pas trop court non plus, mais pas trop long. Tiens, dégage. Oh, un champignon. On va pas voir tout ce bordel. Oh putain! Bon, alors les lags, vous le dégagez s'il vous plaît. Hein. Il y a un bug là. D'accord, à la fin, elle est où? On peut m'expliquer? J'ai besoin d'explication. D'accord, en fait, il me faut un P. Allons chercher ce P. Oh, mais... C'est fini, on l'a trouvé. C'était un peu très long pour le trouver, en fait. Putain. J'ai peur qu'on m'attaque là. Ok, on a fini. C'est là que je me fais buter par ça. Ce serait pas très cool. Bon, ok. Un niveau de plus dans la poche. Alors, prochain niveau, c'est quoi? Ah ouais, le château, il se voyait même pas. Oh, bien caché. Bon, ben château 5, c'est parti. Moi, on va sortir de ce monde que j'aime pas du tout, personnellement. Allez, musique de Sadik. Comme d'habitude. On va passer très vite. Putain. Toi, tu dégages. Allez, c'est parti, on y va. Ok. Oh non, j'avais esquivé. Comment j'ai pu perdre ensuite? Deux champignons. Putain, j'en ai récupéré qu'un. Déjà le checkpoint.
Il s'est pas trop cassé la tête pour ce château, wesh. D'accord, là, il n'est pas du tout radin en power-up. Un P. Qu'est-ce qui se passe? Merci avec tes trucs débilos. D'accord. Le boss, il est là. D'accord, on a le temps. À quoi ça sert ça? On va faire comme si c'était de rien n'était. Alors, le boss. T'es sérieux de me mettre ça? Bon, c'est parti pour rager. Bon, on va se calmer, hein. Putain. Qu'est-ce que je t'ai fait, Aurel? Putain, j'ai même pas eu le temps de sauter. Bon. Allez, on y va. On se prépare. Attention. Parti. Putain. Non. Clochard. Dernier coup. C'est parti. Putain. Allez, je peux le faire. Pris de la drogue, ce boss. Ok, il a fait tomber. Non, il est toujours pas mort. Mais il fonce comme un fou. Comme un taureau même. Ok, on a réussi.
Du calme, on a aussi. On n'a pas fait trop de fails. Ok. Est-ce qu'il y a encore des niveaux? Non, on se barre à tout jamais de ce Tobo World. Pourtant, je croyais qu'il allait y avoir plus de niveaux vu comment il y a beaucoup d'espace. Il aurait dû plus se décorer. Bon, allez, go to the land. Ok, dans le grand overworld, ça veut dire. Alors, je vois de la neige en haut. C'est ça? Dame of the Fortress. Oh! Ça veut dire qu'on est à la fin du jeu déjà? Bon, je vous donne rendez-vous pour on se rapproche de la fin du let's play déjà. On va faire que 10 épisodes environ, même pas. Je vais demander à Aurel, hein, et voilà. Allez, ciao tout le monde, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bye!